Et salut à tous et à tous, c'est Xeno, on se retrouve ici pour la 12e partie de Mass Effect. Du coup, la dernière fois, on avait fait la quête de l'incursion Geth. Du coup, on avait donné les trucs à Tali, là, pour son pèlerinage. Du coup, on a fait toutes les quêtes, entre guillemets, de loyauté des compagnons. Du coup, il nous reste quoi, finalement? Bon, il nous reste Féroce à faire. Mais là, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va finir sans doute les secteurs. Hein. Ouais, on avait fini Armstrong. Il y a ça aussi que je ferai. Ça, c'est le DLC. C'est un des deux DLC qu'il y avait sur Mass Effect 1. Bordure de Kléber. On va faire la bordure de Kléber, tiens. Il me semble que Newton et Herschel, on y avait été, mais. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas, quoi. Bon. Fil de la souris qui fait chier. Hein. Bon. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on avait été ici? J'ai l'impression qu'on y avait été ici, en vrai. Ouais, il me semble qu'on y avait été ici. Je sais plus pour quelle quête. Donc, on va se barrer de là, en fait. Faire Styx Tétin, c'est pas mal ça. Ça, on l'avait pas fait, ça. Ça, c'est sûr, on l'avait pas fait, quoi. Une petite barrière d'astéroïdes. Donc, il y a toujours, forcément, hein, comme je vous l'ai dit, il faut toujours regarder ces trucs-là. Pour la simple et bonne raison, il y a toujours des trucs cachés. Là, apparemment, il n'y en a point. Que dalle. Bon, là, on peut atterrir. Ok. Ici, il n'y a que dalle. Ici, il n'y a que dalle. Bon, il y a une planète ici à visiter. Ok. Est-ce qu'il y a un autre secteur? Oui, il y a un autre secteur. Parce qu'il y a la requête aussi, mais pour... Commandant, je Ah bah capte un voilà. signal de détresse. Je vous transmets ça. Mayday, Mayday, Mayday! Ici le lieutenant Marie Dourlance, 14e d'infanterie de la 3e brigade, 10e division des Marches de l'Alliance. Le poste d'écoute a été envahi par des créatures hostiles non identifiées. Demande extraction immédiate. Ah voilà, celle-là elle est pas mal en vrai. Rien là? Non. Tu vas bah, y a rien, c'est sûr. Bah, il a l'air de rien voir. Ok. Analyser. Disque protéin, ça qu'on veut. Faudrait que je regarde d'ailleurs où c'est qu'on en est dans tous ces trucs-là. Bon, c'est pour atterrir, ok. Métaux lourd, parfait. Parfait, parfait, allons-y. Alors. Anomalie ici, débris, poste d'écoute, anomalie, on va aller à l'anomalie déjà. Allons-y aimant. Oula, qu'est-ce que j'ai branlé là? Oulala. Un peu distrait le Xexé là. Oui, il était là le truc. Je bouge!
Ah, d'ailleurs, faut que je regarde aussi ça, là. Loul, commando. Alors, il fait 13-2, mais c'est normal. Hop, 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 hop. Vrex, est-ce qu'il y a des trucs pour Vrex? Vrex, on va bourrer la barrière. Voilà. Peut-être l'inventaire aussi, j'ai peut-être des trucs à faire pour Garrus. Garrus. Tac. Parfait. On regardera les hommes plus tard. Tac. Et Taras. Médaillon récupéré, parfait. Le pognon. Le pognon. On va aller là aussi, tiens. Hop. Alors, destination. C'est quoi? Débris, oui, d'accord. Ouais, super. Allons-y. Ouh, il y a de la pierre. Mais non, vas-y, ta gueule. Ça, pour le coup, le truc qui a peut-être le plus mal vieilli, c'est ça. C'est putain de Mako. Déjà que c'était pas fou à l'époque. Catastrophe, ce truc. Encore ça va, je préfère ça que le hammer head. But 2. Pas le meilleur truc de Andromeda, c'était le véhicule. Loul. Moi, je te reste encore bloqué. Allô, monsieur Bayouer. Hop, ça c'est fait. C'est quoi ça déjà? C'est une entrée ce truc là, je sais plus. Ça m'a l'air d'être une entrée, hein. Ah, c'est pas ouvert, je crois. Ouais, c'est ça. C'est pour plus tard, ça. Mais je crois que je me rappelle un peu de cette quête-là, en fait. Il me semble. Il me semblerait. Taras. Ah si. Oui bon, pourquoi pas. Hop. Voilà l'anomalie en face. Bon, je pense qu'on va faire ça, puis après on va attaquer quand même. On va regarder les 4 secondaires qu'on a à faire, mais... Je pense qu'on va attaquer Féroce, hein, tant pis.
Ou je vais essayer de faire les secteurs là viteuf et voir s'il n'y a pas des quêtes qui se déclenchent, mais. Je vous avouerai, c'est pas ce que je préfère dans Mass Effect 1, faire mumuse avec le Mako quoi. Hein. Surtout quand ça fait ça. Hein, on adore. Hein, voilà. Hein, j'adore le jeu, mais faut pas déconner non plus. Papa. Après c'est vrai que c'était plus le coup de la légendaire édition rend le truc un peu plus beau quoi. C'est vrai que c'est plus agréable. Enfin, à l'époque ça envoyait déjà du steak. Mais... Vous avouerez, tous les fans de Mass Effect vont vous dire la même chose. Hein. Les faces en Mako du premier, c'est complicado quand même. Hein. Et encore là ça va, ils ont amélioré un peu la conduite. Mais dans le premier c'était quand même quelque chose. Hein. Il y a encore des cailloux. Le problème de Féro, c'est que j'ai récupéré beaucoup de déconciliation, c'est chiant. Parce que je veux pas la faire full pragma pour le coup. Le problème c'est qu'il n'y aurait pas Mass Effect 3, je la ferais full pragma, mais il y a Mass Effect 3 donc c'est relou. Même si en soi ça porte pas non plus. De ouf, mais bon. Faut tout optimiser, faut tout bien faire. Il semble que les foreuses particules ont été arrêtées après avoir débouché dans les tunnels, juste dans la sur la surface. Cabane et équipement portent tous les logos de Tankara Corp. Les employés sont quant à eux introuvables. Introuvable. Introuvable. C'est vrai qu'il y a ça qu'il faut que j'achète les améliorations de mes digels, boule. Bon bah, allons-y gaiement. Ici, voilà. Let's go move out. Je dis oula oula oula. Alors vous voyez ça par exemple dans le Mass Effect de 2007, le Mako a eu tendance à s'envoler encore plus en fait. Là ils ont un peu amélioré sa physique mais c'est pas non plus fou dingue. Après, c'était à moi aussi, je pense qu'il doit y avoir une ribambelle de mode hein, sur PC, donc bon. Mais bon, Mass Effect, ça fait partie des rares jeux où j'aime y jouer Vanilla, quoi. C'est pas un jeu Bethesda, quoi. On est obligé d'améliorer. Comme Skyrim, par exemple. Loul. Même si Skyrim, encore, je trouve qu'il est relativement joli, encore. Je vois des gens qui se battent, dans le fond. Allez, roule. Allez, merci. Tac, tac. Tac, tac, voilà. Arrête de buisson possible, ça. Hop.
Ouais, non, c'est pas celle-là, c'est pas cette quête-là que je pensais faire. Enfin, si, au départ, si, c'était plus ou moins celle-là, mais... Tire sur des ragnis. Bon, c'est tranquille. Voilà, faut attendre, hein, du coup. Ah, ça sort là-bas. C'est vrai que c'est pas très passionnant, hein, je vous l'accorde. Mais... Est-ce que je crois que ce qu'on peut faire... Il me semble qu'il y a des trucs à faire ici. Oh là là, le Mako, quelle catastrophe ce truc. C'est bon. Laissez le Mako branché. Voilà. Bon, là, il y a ça. Normalement, les toiles s'allument, en principe. Tac. Tac. Faut lui parler, je crois, entre deux. Je ne sais plus. En position de tir. Alors c'est sûr c'est beaucoup moins efficace avec le Mako, au moins. Il se passe des trucs. Oh, les tourelles fonctionnent. Ouais, c'est ça. Oula, touché là. Dégâts avec ça, boule. Ouf. Je vais te tuer. Je
Zone nettoyée. Bordel de merde, chef. C'était vraiment moins une. Vous allez bien? C'est des chauffons. Je suis en rogne. Quand je suis en rogne, j'ai besoin de me défouler. Je veux d'autres insectes. Ah, c'est pas ce qui manque dans le coin. Encore un truc. Il y a 3 jours, un de nos postes d'écoute a cessé de transmettre. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, un raid de pirates ou un truc dans le genre. C'est peut-être juste leur connexion Comnet qui est HS. Possible aussi, oui. Peut-être que je deviens parano. J'ai besoin de sommeil. Chef, on capte un signal d'un des drones UAV. Il a repéré une énorme caverne à 1,5 clic sous la surface. Bien, c'est forcément là. Ça doit être de là qu'ils viennent, mais mon unité n'est pas en état pour une opération de nettoyage. J'ai une autre mission à accomplir, je ne peux pas vous aider. Bien pris, commandant. Je ne vous le demandais pas non plus. On devrait pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée d'un vaisseau d'extraction. Si vous voulez tenter le coup, on va vous donner les coordonnées. Mais ne vous sentez pas obligé. Vous nous avez sortis de la merde, commandant. Merci. De rien. Ah, de rien. Bon, c'était où les coordonnées qu'elle m'a dit? Bah voilà, la fameuse mine où on n'a pas été. Ah, et là, je peux pas remonter dans le Mako parce qu'il est branché. Ouais, c'est ça. Débranche le Mako. Tac. J'attends vos ordres. Ouais, t'attends mes ordres. Ouais, super. Sacré Garus. Bon, allez, salut les nazes. Bon, je vais aller la faire, votre mission de chiasse, parce que vous êtes nuls. Ce qui manque, c'est un turbo, quoi, un truc pour aller plus vite. Let's go. Let's go. Allez, allez, allez. Le tonneau. Non, pas le tonneau, dommage. Allons-y, allons-y. Oui. Alors, on va pas prendre cette arme-là, par contre. Prendre cette arme-là non plus. Prendre ça, c'est parfait. Une petite sauvegarde, quand même, au cas où. Et on est go, on rentre. Décryptage simple. Tac, 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 tac. Hein? Peut-être une autre armure pour, je sais pas, moi. C'est la chasse, mais les prédateurs, c'est, enfin, c'est une des mieux, je crois. Vas-y. Zone nettoyée. Yes. Zone nettoyée. Ah, survivor, ça peut être pas mal, mais c'est une armure lourde, c'est chiant. Ça devient intéressant. Thank you.
Zone nettoyée. Faudrait que je monte un peu les armes de Shepard aussi, parce que je fais pas assez de dégâts, je trouve. Par là. Ta-da-da. J'ai raté. Je vais vous soigner. J'attends. Non, là-bas. Je vais vous soigner. Voilà pourquoi l'hésitation s'est pété. Fallait pouvoir biotique, la plupart sont pétés dans le massacre. On contrôle le périmètre. C'est que quand on reprend un pouvoir biotique, on peut strictement rien faire. Pas se soigner, pas tirer, pas se barrer, enfin on peut rien faire. Donc quelqu'un qui peut rien faire, inoffensif, et quelqu'un qui est inoffensif, il meurt vite. Par là! C'est réparé. Ouf, on est chaud. La voie est libre. Bon, regardons un peu ça. L'armure. Ouais, l'armure, je peux pas la mettre. Tac, tac, tac. C'est pas mieux, ok. Je dis à pompe, est-ce que j'ai mieux? Non. Pistolet, est-ce que j'ai mieux? Pas vraiment, et fusil sniper peut-être. Non. Ok, bon, on va monter le niveau là. Commando. Le pompe. C'est vrai que fusil précision, je l'ai pas du tout monté, mais c'est pas très grave ça. Ça sera fait. Garus. Tessin. Et Brex. La barrière. Let's go. Bon, par contre, niveau vie, c'est pas folichon. Hein. Je vais vous soigner. Interception de la cible. Merde. J'ai pas été touché. Les archives de la guerre Rachni laissent supposer que les soldats royaux, les mâles Rachni ne sortent combattre que lorsque la ruche est menacée. L'élimination des Rachni de Nepos est donc confirmée. Voilà. Périmètre nettoyé. Tu m'étonnes. Oh, une Colossus. Hop. Faut que
retourne les voir du coup. On va les retourner les voir quand même. Au cas où. Elle est où la sortie, ce truc de chiasse? Par là. Non, pas par là. Ah merde, c'est où? Ça doit être là en fait. Voilà, c'est ça. On va retourner les voir. Ils sont là, hein. Ouais, c'est ça. Bon bah allons-y. Putain, on aura quand même passé une demi-heure sur cette chiasse, hein. Loul, je sais même pas si on va pouvoir attaquer vraiment Féroce. On va essayer de récupérer pas mal de quêtes et à la fin de Féroce, on fera les quêtes qui me sembleront intéressantes. De toute façon, il me semble que qu'à la fin de Féroce, on va ouvrir un nouveau de peut-être Vermir, je sais pas. Peut-être Vermir, je sais pas trop. Je sais plus trop, mais normalement, chargement si tu veux. Hein. Le petit plantage. Oula, ce ramage. Si je faisais un petit F9. Fuite, non. Bon, je reviens après. Normalement, on est back. Oui, alors le jeu a crashé total, donc... Voilà. Donc on va retourner voir les guignols, là. S'ils nous disent un truc. Et on a 33 minutes, on va prendre les quêtes à mort. On va voir si on va faire plusieurs secteurs, rentrer dans plusieurs trucs. On se récupère. Ah, ils sont plus là, si. Ils sont là. Bon, machine. Vous êtes un sacré soldat. Ouais, je sais. Bon, bah, on casse sauce, hein. Bon, barrons-nous d'ici. Bon, c'est vrai qu'il y avait un truc à faire quand même là-bas. Hein. Mais bon. Donc ça donne pas de quête en vrai. Century. Century. Un message, commandant. Oh, surprise. L'Alliance a encore besoin de vous. Shepard, ici l'amiral Hackett. Je suis avec le commandant de l'Alliance. Nous avons une mission à vous confier. Le colonel Kyle, votre officier supérieur sur Torfan, a fondé une petite communauté dans le secteur Hawking Eta. Il a rassemblé autour de lui un certain nombre de fidèles biotiques. C'est devenu un détracteur virulent de l'Alliance. Nous pensons qu'il est mentalement instable. Kyle pourrait nous causer de graves problèmes, Shepard. Je vais m'en occuper. Il y a 3 jours, nous avons envoyé 2 représentants de l'Alliance à son complexe. Depuis, pas de nouvelles. Nous pensons que Kyle et sa clique les ont tués. Ce complexe est une secte, Shepard. Kyle se fait appeler Père Kyle par ses fidèles. Il s'est imposé comme une sorte de leader religieux. Vous dites que ses fidèles sont des biotiques ? C'est exact. Le colonel Kyle lui-même n'a jamais présenté d'inclination biotique. Je pense qu'il s'est juste attaché à un groupe avec lequel il s'identifie. De nombreux biotiques se sentent marginalisés ou exclus par la société. Kyle les voit sûrement comme des victimes qui ont besoin de sa protection, et eux voient en lui un protecteur qui se bat pour eux. Malheureusement, il a réussi à les convaincre que l'Alliance est responsable de tous leurs problèmes.
On ne peut pas le laisser continuer. De quoi les représentants de l'Alliance comptaient-ils lui parler? Ils devaient le ramener dans une infrastructure de l'Alliance pour suivi psychologique. Le colonel Kyle nous a servi avec dévouement pendant de nombreuses années. Nous ne comptions pas l'abandonner. Toutefois, étant donné son état mental, il les a probablement vus comme une menace. Nous sommes quasiment sûrs qu'il a ordonné à ses fidèles de les tuer. Que pouvez-vous me dire d'autre sur le colonel Kyle? Ce n'est plus l'homme que vous avez connu. Il se sent responsable pour tous les soldats de l'Alliance qui sont morts sur Torfan. Ses évaluations psychologiques ont démontré qu'il n'était plus en mesure de supporter le stress du commandement. On lui a donné une retraite anticipée avec les honneurs. Nous pensions qu'il finirait par s'en remettre, mais c'était sous-estimer la gravité de son traumatisme. Et maintenant, c'est trop tard. C'est une solution radicale que vous cherchez? Nous voulons éviter le massacre, commandant, mais Kyle est dangereux. Je compte sur vous pour prendre les décisions qui s'imposent. Hackett, terminé. Alors voilà, alors ça c'est ce que le choix du début du background en fait de Shepard. On a une petite quête qui est liée à ça pour les trois trucs en fait. Pour que ce soit rescapé, stellaire, enfin héros de guerre et impitoyable. Alors, on peut ces quêtes-là, on peut les débloquer. Quel que soit le background qu'on choisit. Mais disons que quand on choisit un background lié à cette quête là, et ben il y a un peu plus de lore quoi. Rien de fou, mais il y a du lore quoi. Voilà, du coup on va faire ça, puis je pense qu'on va s'arrêter là après. Et on fera je ferai Féros dans le prochain épisode. Bon, il faut atterrir là. Ce que je veux, c'est la lune. Non, alors c'est la lune. Moi, ce que je veux, c'est la planète. Y a rien, ok. Ici. Y a que dalle. Super, génial. Bon, allons-y. Non, c'est pas ça. Du coup, anomalie, débris, ok. Allons-y. Je crois qu'il y a un dévoreur ici, mais je suis pas sûr. Oui, il y a un truc là. Des fois, il y a des trucs qui apparaissent pas. Je sais pas si vous avez remarqué dans les autres. Quand j'ai fait l'exploration, un peu, entre guillemets, il y a beaucoup de trucs qui n'apparaissent pas sur la carte. Alors, oui, le jeu te pousse un peu à explorer, mais très franchement, c'est pas très utile. C'était surtout utile dans le premier pour gratter un peu l'XP, mais c'est tout. Là, très franchement, on n'a pas vraiment besoin. Oh, ça va être chiant. Oh, ça va être chiant. Je suis obligé de faire le tour. Oh là. Ah, c'est bien la peine d'avoir 6 roues et pas capable de monter là, quoi. À l'équerre, quoi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça le futur. Les cabanes préfabriquées n'inspirent vraiment pas confiance. Des traces de véhicules partent en direction de la chaîne de montagne au sud-ouest. C'est pas mal. On a gagné un médigel, c'est pas mal aussi. On prend tout. On prend tout.
Youhou! Voyons voir. Tac. Oh là, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la chiasse. Et j'ai fait du gros caca. J'ai refait du gros caca. Voilà. Emblème turien. Faudrait que je regarde. En fin d'épisode, on va regarder où j'en suis et tous ces trucs là de collecte de chiasse. Oula. L'avant du véhicule a été broyé par l'impact. Au premier coup d'œil, il est évident qu'aucun des occupants, certainement une équipe de mineurs illégaux, n'a survécu. Dans le silence de cette atmosphère quasi inexistante, des débris continuent à parcourir les sillons laissés par le passage des véhicules. Voilà. Ce qui est dommage, je suis en train de repenser à ça, mais ce qui est assez dommage dans Andromeda, c'est qu'ils ont, remis plein de trucs par rapport à Mass Effect 1 au niveau de l'explo et tout. Enfin, c'est très... très marqué, mais finalement c'est moins bien quoi. Enfin c'est moins bien, quand même pas quand même. Mais... C'est tout ce qui est autour de Andromeda qui est tellement nul que. Alors je pense que je le ferai sur la chaîne quand même hein, Andromeda, mais par contre je vous annonce et je vais pas être très très gentil avec le jeu. Hein. Même s'il y a quelques phases que j'aime bien, le gameplay est très cool. Mais... Mobile vers objectif. Ouais, t'es mobile vers l'objectif. Sacré Garus. Tac. Non. On prend tout. Petite sauvegarde. J'ai dit petite sauvegarde, merci. Ah, je peux pas sauvegarder là. Du coup, faut aller cambiotique ici. Il me semble qu'il y a des cailloux pas loin derrière du cambiotique de mémoire. En fait, je suis en train de dire ça, mais non, le truc d'accouser, en fait, on l'a que si on a accousé, en fait. Ah non, 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 oui, c'est. C'est pas la même quête, en fait. La quête d'Akuzé, on l'a eu, c'est le mec là qui se faisait injecter du venin de dévoreur, enfin de l'acide de dévoreur dans les veines. On l'a eu. On n'a pas eu le héros de guerre encore, par contre, c'est assez étrange. Je crois que c'est après Féroce, je suis pas sûr. Ça se débloque. Peut-être parce que j'y ai tout simplement pas été. Non, non, l'autre truc que je pensais, c'était par rapport au background au niveau de la vie, si on était stellaire, terrien ou. Colon. Ouais, voilà, je me rappelle, il y a des cailloux dans le fond là-bas. Ici, là. Là. Ça y est! Il y en a peut-être même plus loin, je sais plus. De l'or. Moi, j'aime bien ça, l'or. Bon, allons voir ces débilos. J'y vais. Tac. Ce sanctuaire est un lieu privé. Les étrangers ne sont pas les bienvenus ici. Je dois parler à votre chef. C'est important. Le père Kyle ne veut plus avoir affaire à l'Alliance. Il n'aurait jamais dû tuer ces enquêteurs. Ça ne peut qu'envenimer les choses. Nous ne vous laisserons pas emmener le père Kyle. Il nous protège. On a besoin de lui. Il va vous faire tous tuer. Si vous affrontez l'Alliance, vous allez vous faire massacrer. Je suis votre dernière chance. Laissez-moi lui parler, ou il va y avoir des morts. Attendez. Le père Kyle accepte de vous voir. Il se trouve dans le bâtiment au fond du complexe. Et oui, je sais pas, c'est le dernier recours avant votre mort certaine. Ou pas, hein. Je peux tous vous tuer si je veux.
Alors, je le fais pas trop, ça, en général, parce que les biotiques, c'est tellement chiant à affronter dans Mass Effect 1. Et encore, là, c'est un peu plus tranquille, mais c'est chiant. Je sais plus s'il y a des trucs à coller là-bas. En fait. Ah, si, il y a des trucs. Ça, moi, je prends. Ça, je prends. Je vous reconnais, le boucher de Torfan. Que venez-vous faire ici, Shepard? Pourquoi l'Alliance ne nous laisse-t-elle pas en paix? Qu'est-ce qui est arrivé aux officiers de l'Alliance, ceux qui sont venus avant moi? Ils voulaient me faire quitter cet endroit, abandonner ma famille. Ils blasphémaient. J'ai fait mon possible pour que leur fin soit rapide et sans douleur. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je protège mes enfants. Je suis le seul à pouvoir veiller sur eux. L'Alliance m'envoie vous ramener à la raison, colonel. Vous ne voyez pas que vous avez dépassé les bornes, que vous risquez la vie de vos fidèles? Je vous sais gré d'être venu en paix, mais je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Mes enfants seront désemparés si vous leur enlevez leur père. Si vous ne venez pas avec moi, tous vos fidèles mourront. Quelle sorte de père peut laisser crever ses enfants? Non, c'était ma faute. Mes enfants sont purs et innocents. Pitié! Je ne voulais pas en arriver là. Je suis désolé. Vos excuses ne changeront rien. Vous devez me suivre, colonel. Un instant. Si mes enfants me voient partir sous votre escorte, ils ne comprendront pas. Ils attaqueront, et vous devrez tous les tuer. Vous m'avez fait prendre conscience de mes erreurs, commandant. Mais j'ai besoin de temps pour tout leur expliquer. C'est le seul moyen pour qu'ils comprennent. S'il vous plaît, donnez-moi une heure. Ensuite, je me rendrai à l'Alliance sans résister. Je vous en donne ma parole. Je ne vous quitterai pas des yeux, colonel. Je dois faire tout mon possible pour que mes enfants ne souffrent pas. C'est la seule solution. On va faire ça à ma manière, colonel. En route. Je parle, mais vous ne m'écoutez pas. Vous êtes comme tous les autres. Une blasphématrice qui ne mérite que la mort. À mort! Bon bah du coup on va les affronter quand même. Oh. Bouclier perdu. Mais de l'autre côté, ok. Oui, le petit flingue. Ennemi neutralisé. Et j'ai vu, Garu, j'ai vu. Du coup, je peux rentrer là-bas. Ben. Ouais, moi je vous dis, il faut pas déconner avec Shepard. Faut pas déconner, quoi. Des trucs là-bas. Caché, non, même pas. Oula, il y a du monde. Où ça arrive devant la porte? Où ça arrive devant? Ça devient intéressant. Je vais te tuer. Tu vas rien tuer du tout. Là, c'est chiant. Bouclier désactivé. Oh
Ouh, c'est chiant. Ici, toi. Salut. À mort. Mais salut, hein. Ici, oh petit bâtard, oh petit bâtard. Tu dois mourir. Est-ce que ça marche dans celui-là déjà? Je sais plus. Ah merde, j'ai plus de... L'autre il est en haut. On prend. L'autre il est en haut, on est d'accord. À mort. On les a eus, commandant. Je sais. On va cassons-nous, hein. Voilà, une mission rondement menée. Maintenant, il n'y a plus de problème, quoi. Là, c'est sûr, il n'y aura plus jamais de problème. Quoi. Hop. Bon, là, ils vont nous reparler. Réception d'un message, je transfère. Commandant, ici l'amiral Hackett. Votre navigateur vient de nous faire parvenir votre rapport sur le colonel Kyle. Les pertes civiles sont toujours difficiles à avaler, mais nous savions tous comment ça finirait. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Les médias vont certainement monter cette affaire en épingle, mais nous ferons en sorte que votre nom ne soit pas cité. Hackett, terminé. Bah si mon nom est pas cité... Voilà, parfait. Bah voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode-ci. Bah voilà, du coup, on aura fait quelques 4 secondaires, enfin 2 quoi, loul. Un plantage, pas mal. Je vais regarder ce que ça va redonner la rediff, mais bon. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis bye bye, et à la prochaine.